La parole est d'argent, mais le silence est d'or, selon un célèbre dicton. Je dirais plutôt ce soir, le silence est de diamant, sans faux jeu de mots. Parce que même si ne rien dire est souvent bien plus éloquent qu'exprimer le fond de sa pensée, notre invité du jour a quand même décidé d'arrêter de se taire et enfin de dire sa part de vérité après le raz-de-marée suscité par l'échec de son histoire d'amour populaire avec la célèbre influenceuse camerounaise Coco Emilia. Francis Mvemba a promis de donner l'exclusivité de sa prise de parole médiatique à Live TV et ce soir, ce sera chose due. Il nous rejoindra dans quelques instants seulement pour une émission qui est partie pour s'inscrire dans les annales des plus gros shows télé africains du siècle. Et je pèse mes mots, parce que de toute façon, que veut le peuple? C'est pas le bonheur. Mais ce soir, en plus du bonheur, le peuple, il veut le béret. Ou bien, bonsoir. Tous dans le live weekend avec les reines attitrées de la télé intelligente, Messou Boukine. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Coco. Bonne arrivée. Mon Dieu. Je me sens bien. Je me sens guérie. Tu es bien reposée. Non. J'avoue, non. Franchement. Ça a été une lutte hein, quand même. Ouais. Lutte. Je ne vais pas aller pousser dans les mots. Détails, mais ouais. Je suis de retour. Je suis très contente d'être guérie. Et puis, on va donner le meilleur. Ouais. Tu nous as beaucoup manqué. À vous, à moi aussi. Et tu as manqué aux téléspectateurs qui n'ont pas arrêté. Arrêtez de. C'est sûr. Elle est là. Merci, j'ai reçu leur message. Et vous aussi, merci les filles pour le soutien. C'est une vraie famille, cette histoire de la. Ah, et du club également, merci beaucoup à la famille Live TV. Merci. Bon retour, ça va MP? Ça va très très bien. Je me trouve super bien habillée, les filles. Attention. Les bling bling un peu là. MP. Particulièrement plus truc aujourd'hui, non, je sais pas. Mais bon. C'est un styliste de Live TV, merci. Mais bon, c'est ça. Et toi? Ça va très bien. Ça va. Ça va très bien, merci. Tu as sorti la couleur blonde ce soir. Oui. Non, aujourd'hui quand même, c'est aujourd'hui, s'il te plaît. Oui. Et ça te va très bien. Ah, merci, c'est gentil. Bon! Coco, vous Coco, savez, non! Moi, et toi? Mais tu es belle aussi, merci. Coco. Mais je viens de me voir là. Attendez. mais qu'est-ce que c'est? Non, merci. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Alors, tout de suite là, ce que je vais vous demander, très chers téléspectateurs, c'est de partager le live et de mettre les cœurs. Et de mettre les cœurs et de commenter parce qu'évidemment, on va vous lire pendant les moments de pub et on va peut-être relayer quelques infos, quelques commentaires en direct. Et puis, on sait que vous êtes impatients, donc tout de suite, voici notre invité du week-end. C'est un homme d'affaires méconnu du grand public il y a peu, qui est devenu en un temps record l'objet de toutes les curiosités après que son mariage avec la célèbre influenceuse Coco Emilia a volé en éclats. Présenté comme milliardaire ayant fait fortune dans le diamant, il a tenté de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Mais qui est-il réellement? Comment a-t-il vécu le raz-de-marée de commentaires à la fois dithyrambiques et désobligeants suscités par l'échec de son idylle avec la belle camerounaise? Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire rocambolesque, il s'exprime enfin sur le sujet, promettant à Live TV de ne dire que la vérité et de, je cite, « mettre de l'ordre dans le désordre ». Le GOAT, comme le surnomme à tort ou à raison d'ailleurs les internautes, Francis Mvemba. Merci de J'ai envie de dire, je ne m'y attendais pas, mais en même temps, on aurait dû s'y attendre, hein, vu l'élégance du monsieur et sa galanterie légendaire. Maintenant, c'est quelle chanson vous avez mis pour accueillir Francis? C'est un avertissement, je ne sais pas. Quand le pain d'autrui.
On ne peut pas manger. C'est bon pour toi. Ben, comment vas-tu, mon cher Francis? Très bien, et toi? Ouh, ça va super bien, comme toutes les filles d'ailleurs. Oui. Ouais. Je fais ouf, c'est un ouf de soulagement. Mm-hmm. Parce que ça fait quand même des mois qu'on se parle. Oui. Qu'on essaie de te convaincre parce que tu es une personne très discrète qui ne voulait pas vraiment s'exprimer sur tout ce qui se disait parce que comme on le dit, le silence est d'or, le silence est de diamant, hein, je le disais tout à l'heure. Mais enfin, tu es là et tu vas parler ce soir. On va parler. On va parler. Bienvenue sur l'actualité. Donc, au moins tu l'as regardé au moins une fois dans ta vie, au moins celle-là, cette non, fois-là. Plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Et moi je sais qu'ils sont nombreux à vouloir t'entendre parce qu'ils sont là ce soir, nombreux connectés aussi sur nos pages et réseaux sociaux pour t'entendre. Alors on va y aller tout de suite. Qui est Francis Bemba? La réponse tout de suite dans la carte d'identité de star. Francis, c'est très simple. Hein. Question basique, même pas, j'ai des réponses, puisque nom et prénom à l'état civil, tu es Mbemba Francis Makiesse. Makiesse, personne ne savait qu'il s'appelait non, comme ça. Non, franchement. Makiesse, qui personne, est le... Même mes enfants ne savent pas, personne ne sait. Il nous a promis beaucoup d'exclus ce soir. Je peux vous dire, on a eu le temps de préparer cette émission. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, on travaillait. Et Makiesse veut dire ma joie dans ta langue. Okay. Et Makiesse, c'était le prénom de ton papa. Ouais. Pourquoi on ne t'appelle pas comme ça tous les jours? C'est trop beau. Oui, voilà, ouais, surtout ça, c'est mignon. C'est mignon. Ouf. À la base, au Congo, on a le nom, le post-nom et le prénom. Mm-hmm. Quand je suis arrivé en France, ma mère, elle a enlevé... le post-nom Makiesse. Donc, c'est ta maman qui enlevait Makiesse, qui était le prénom de ton souvenirs. Papa. Mais pourquoi elle voulait se débarrasser d'un pan de sa vie, c'est ça? Effacer, ouais. Effacer, carrément. Ouais. Mais pourquoi? Ah, ça, il faut lui demander. À maman, on va lui poser la question. Pourquoi pas? Tu as grandi en France. Hein, ouais. Et tu es... tu as grandi en France, tu es né au Congo et tu as grandi en France. Tu y es allé à l'âge de 5 ans. Ouais. C'est bien cela. Alors, petit surnom de Francis... Au lycée, on t'appelait Pasteur. Non. Pasteur, non, mais pourquoi? Parce qu'il a la tchat, peut-être. Non, parce que j'aimais bien, lire la Bible. Et j'aimais bien, avec mes amis comme ça, leur sortir des versets. Hein? Ils me disaient, laisse-moi tranquille, Pasteur. Et c'est passé comme ça, au lycée. C'est-à-dire que... catholique? Ouais. Catholique. OK. C'est-à-dire que, dans les conversations, on va dire intellectuelles ou pas, hein, souvent, on a des références de littéraires, de grands littéraires. Et lui, c'est pas des philosophes, c'est des versets. Non, je lis tout. Je lis Robert Greene. Et quels sont les versets que tu sortais à tes amis comme ça? Bon, je vérifie. Allez. Le verset que je sortais à mes amis, c'était Ésaïe 60. Uh-huh. Et ça dit lève-toi et brille. Non, attends. Faut pas mal. Pardon. Lève-toi. Lève-toi et brille, ta lumière paraît. Waouh. Hein? Ouais. Vous connaissez ça? Oui, c'est bon. Non. Par contre, ta mère, elle t'appelait le mal dominant. Ouais. Tu sais que moi, j'ai envie de rencontrer ta maman. C'est vrai. Mais elle est trop cool. Elle appelle son fils le mal dominant. Ou elle appelle le mal. Ouais. Mais pourquoi? Parce que j'ai que des sœurs. Ah, ok. J'ai 5 sœurs derrière moi, j'étais son premier, donc. D'accord. Tu es l'aîné. Ouais, et le seul et unique. Et tu es un grand frère protecteur, chocolat, plutôt. Ouais. Hein? Ce sont mes enfants. Ah ouais, mais dans quel sens? Est-ce que tu exiges de voir les copains avant? Est-ce que tu leur fais la police derrière? Non, et tout non, ça non, non. Non, tu es tranquille, quoi. Tranquille. Plutôt gentil. On va vérifier ça. Donc, tu es né le 3 avril 1982, ce qui fait de toi, naturellement, mon petit frère. Merci. Je suis ton petit frère. Je n'aime pas la petitesse. Dis mon jeune frère. Mon jeune frère. Parce que de toute façon, tu es plus grand de taille que moi. Et donc, tu es de 82, tu as eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Donc, à Kinshasa. Et tu as grandi à Corbeil-Essonne, c'est ça, dans le 92 hein? 91. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette petite période? De cette grande période? Ouais. D'enfance. On ne va pas aller plus loin. D'enfance? Oui. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Mm-hmm.
Et j'étais séparé de toute ma famille. Mm-hmm. Je suis venu retrouver ma mère, qui avait déjà refait sa vie. Et tous les soirs, comme ça, dès que j'entendais quelqu'un sonner, je pensais que c'était mon père qui venait. Oh. Et les semaines, les mois passèrent et il sonnait. Et là, j'ai décidé, en fait, lui ne va pas venir, c'est moi qui vais repartir le voir. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait. Ouais. Tu es reparti au Congo le voir. Ouais. Et ça a été ? Toujours. Toujours. Mais on en parlera dans les moindres détails tout à l'heure. Donc, nationalité congolaise. Mm-hmm. Ethnie, tu es né Congo ? Congo central, oui, de père. Oui. Ok, du papa. Et puis, Bantundu. Bandundu. Du côté de ta maman. Tu fais 1m92, oh. Ça c'est pour vous, pour 110 kilos. Et quand tu répondais à la question, tu disais 110 kilos de... De muscles. De muscles, voilà. Il n'y a pas de graisse dans son corps. On préfère vous le dire en même temps. Alors, lieu d'habitation ? Quelque part en Europe. Il faut nous dire, nous tous on sait où tu habites. Alors, où ça ? Je suis sur Monaco depuis 2015. Mm-hmm. Et je remercie même l'ancien ministre des Affaires étrangères qui m'a permis de m'y installer en 2016. Mm-hmm. Tu parles de celui de quel pays ? Du Congo. Ah, voilà. Parce qu'en France, ils ne font pas trop ça. Hein. Non, je connais le Congo, Misa. Hein. Okay, d'accord, okay. Donc, niveau scolaire, tu as eu le bac après, et tu as fait un an de d'informatique cours. D'informatique. Ouais. C'est quoi exactement ? Je ne sais pas, j'ai suivi mes copains. Aïe ! Je ne sais pas. Moi-même, quand j'y étais, je dis qu'est-ce que je fous là, moi ? Mais bien, tu as choisi alors ? On est tous partis ensemble. Ouais. Et tu n'as jamais pratiqué dans non, le domaine ? Non, ça ne m'intéressait pas, je veux juste être avec mes amis. Tu n'es même pas devenu brouteur. Même pas. Je veux juste être avec mes amis. Alors, profession des parents, ta maman mère au foyer et ton papa était professeur, hein, c'est bien cela. Donc, nombre de frères et sœurs, tu nous as dit que tu avais 5 sœurs du côté de ta maman, mais du côté du papa, ça on monte, ça monte, ça monte. Ça fait combien ? En tout, j'ai 17. Ah, ton papa à côté. Un Congolais. 17. Ah ouais. Nombre d'enfants. Là, tout le monde est en train de... 9. 9 enfants, pour l'instant. Non, il manque 3, après j'arrête. Il dit après, il arrête. D'accord. Ah, ok, 12, c'est bon. De combien de mamans ? 6. Eh bien, il est content. Ah, sérénité, 6. 6. Il y a rien. 6 mères différentes. Oui. Si. Oh, c'est une maman, là. On a fait, non ? On a fait, c'est déjà fait. Ton plat préféré, c'est le ntaba, quand tu es au Congo. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire ? Toi, tu sors mes dossiers devant tout le monde. Quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Ah, checké. Voilà, au calme. Cette question, elle est très importante pour terminer la carte d'identité de Star. Casier judiciaire. Ben, vous savez quoi, vierge ? Vrai, vrai. Vrai, vrai. On peut vérifier, hein. Moi, j'ai des il faut doutes, vérifier. Hein. De toute façon, j'ai des infos, mais... C'est un enfant, on m'a dit, tu vas vérifier. Franchement. Non, hein. Casier judiciaire, vierge. Vierge. Bizarre, hein. Mais, c'est pas bizarre, bizarre. C'est pas... Dis-nous. Parce que j'ai grandi avec... Tous mes amis d'enfance, la plupart ont fait la prison. Ah, d'accord. Et toi, tu n'as même pas eu droit à un truc. Comment on s'appelle ? Droit. Comme on dit chez nous, c'est même pas. On dit même non, tatouage, aller au violon même ou bien, je sais pas. Ouais. Bon. Ah. En tout cas, voilà, hein, vous en savez davantage. Un tout petit peu plus sur lui. Tout au long de l'émission, ça va être ça. C'est qu'on va aller à la découverte de ce personnage énigmatique et Francis Wemba. Merci beaucoup. Hein. Pour cette carte d'identité de Star, sa chronique vous a manqué, on le sait, et Esther is back now avec son scanner, c'est tout de suite. Alors, Francis, je te dis très rapidement, Esther a fait des recherches sur toi, comme nous tous, hein, d'ailleurs, ouais. Comme nous toutes. Et Esther a sorti de ce qu'elle sait de toi un adjectif, un mot ou un groupe de mots. Elle va nous dire pourquoi, mm-hmm. Et surtout, elle va te poser une question à la fin. Exactement. Alors, la question, c'était laquelle ? Qui est Francis Mbemba ? Mm-hmm. On va également répondre à cette question dans le scanner du jour. Et ce soir, moins qu'un qualificatif, ce sera plutôt un surnom. Mysterious Man. Mysterious Man. Est-ce que j'ai menti ? Non, parce que simplement, il faut le dire, tu restes pour la plupart de nous un mystère. C'est sûr. Je m'explique. J'ai passé beaucoup de temps à chercher. C'est d'ailleurs pour ça que je peux le dire. À chercher autre chose que ta vie maritale. Donc, on a tout ça, mais on va mettre ça de côté. J'ai pu lire quoi ? Tu es un homme politique et d'affaires. Mais bien avant ça, plus jeune, tu as eu à tenter une carrière de footballeur qui a malheureusement pris fin des suites d'une blessure au genou. C'est bien cela ? Yako. Après quoi, tu as fait tes premiers pas dans le commerce du diamant, au départ en tant qu'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs du secteur. Puis, vu que dans la vie,
on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu es ensuite devenu propriétaire d'une entreprise spécialisée dans l'extraction et la vente du diamant et de l'or brut. On lit ensuite que tu as eu en 2018 à te présenter à la présidentielle congolaise. J'ai même pu entendre que ce projet est à renouveler en 2023. Félicitations déjà. Félicitations. Ah, il a gagné. Mais le problème, c'est quoi? J'ai lu tout ceci, mais c'est à peu près tout. Je n'ai pas lu plus que ça. On perd ta trace, en quelque sorte. Alors du coup, Mysterious Man, je le garde comme ça. Parce qu'en tout cas, en dehors de ton Congo originaire peut-être, nous autres, on a du mal à dire qui est-ce que tu es, au-delà de ce que tu fais. Et puis, c'est une chose assez étonnante hein, pour un homme qui aspire à des ambitions de haute fonction politique. Mmh. Et pourtant, j'ai entendu dire quand même que tu mènes certaines actions sociales. Mais là encore, zéro archive. Incroyable. Et finalement, ce qui ressort le plus, c'est le buzz matrimonial revisité à toutes les sauces. On ne voit que ça sur Internet. Mmh. Sur Internet. Alors, à moins que tu ne sois comparable à une sorte de super-héros qui veille à rester discret pour sauver la veuve et l'orphelin. Et là encore, je ne comprends pas parce qu'on te voit sur certains réseaux sociaux, tu es plutôt actif là-bas. Je suis tentée de te demander. Et là, en ce moment, je me la joue journaliste, intervieweur. Je ferme à Claire Chazal ou André Bois. Je suis tentée, les filles. Je suis tentée de vous demander, disais-je, Francis Mvemba, qui êtes-vous? Pourquoi ce mystère, finalement? On vous écoute. Pourquoi ce mystère? Ouais. Pourquoi ce mystère? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Mais pourquoi on n'a pas, plus d'infos sur toi que ça? Parce que je suis congolais. Non, mais c'est facile. Ouais, explique-nous. Parce que je suis congolais. Mm-hmm. Lorsqu'on est congolais et on réussit dans les affaires, mm-hmm. il faut faire du tapage, n'est-ce pas? C'est ça? Il faut donner l'argent aux musiciens pour qu'ils chantent ton nom. Parce qu'on n'entend pas trop ton nom dans les chansons. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Non, mais il y a un problème. Là, c'est que... Le Congolais, homme d'affaires, veut devenir président. C'est ça. Ouais. Et du coup, pour être crédible, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Mmh. Écoutez, ce président aime la population parce qu'il a fait telle ou telle action. Il a mené telle ou telle action. On ne voit rien sur Internet. On a aussi envie de savoir le parcours en tant que professionnel. Oui, il dit qu'il vend, enfin, si je peux le dire, du diamant brut. On voit pas. On dit qu'il a des associations où il aide des femmes, des actions sociales. Rien du tout. En gros, ça, évidemment, on est un peu dans le doute. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, si tu étais juste Francis Mvemba, homme d'affaires, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais Francis Mvemba, homme politique, il s'est même présenté aux élections présidentielles. À un moment donné, on veut quand même avoir un peu de doute sur toutes tes activités, puisqu'il n'y a visiblement pas de trace. Voilà, être rassuré. D'accord. Non, il n'y a pas d'accord. Ou peut-être que c'est fait exprès. Oui, voilà, allez. C'est surtout ça. Dis-nous tout. Lorsque tu es jeune, tu es réussi dans les affaires, tu as de l'argent, tu rentres au Congo. Un bon Congolais, il doit d'abord aller voir les musiciens, lui donner de l'argent et qu'il chante. J'invite Koffi Olomide chez moi, j'ai dit, vous êtes mon artiste. Prenez 20 000 dollars, mais vous ne me chantez pas. Il a dit, tu n'es pas Congolais. Elle m'a dit non, c'est ma contribution. 20 000 dollars à Koffi Olomide sans chanter ton nom. Il ne faut pas qu'il chante mon nom. La contribution à quoi? Il faisait à l'époque, en 2015, il sortait Koffi Central, son label. Je lui ai dit ça, c'est ma contribution pour Koffi Central. Maintenant, s'il y a des jeunes Congolais que je trouve excellents, je te les passe. Il a tenu parole et il faisait monter quelques Congolais, je lui ramenais. Et c'est tout. Mais il y a des personnes qui veulent se montrer et d'autres non. J'ai peut-être pas su m'expliquer. Là, je m'intéresse vraiment à l'homme politique. Est-ce que ça ne te dessert pas un peu de rester dans cet anonymat? Non, c'est sûr. Parce que à la base, je ne suis pas issu d'une famille politique. Mm-hmm. D'accord. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique politicienne, mais la politique m'intéresse. Plus on avance dans les affaires et plus on est confronté à ces autorités, que je trouve qu'ils ne s'intéressent pas réellement à mon pays. D'accord. Oui, on veut changer les choses. Oui, après on commence à changer les choses avec sa fondation. Après, de nature, je suis très discret, j'aime bien observer les gens et je rigole. Ça, c'est ma personnalité, je ne veux pas me... Ouais. Et
À force de voyager, je vois un peu les autres pays. J'arrive en Guinée équatoriale, je vois comment ils ont construit leur pays. J'arrive au Congo, je vois que rien n'avance. Okay. Je commence à parler avec les autorités. Ça n'avance pas. Je ramène des projets, ça ne bouge pas. Au final, en vérité, on ne voit pas la même chose. Actuellement, le pouvoir en place, il y a plein d'amis à moi intimes qui sont autour du président. Si réellement je veux faire comme eux, je rentre au Congo, je m'assois avec eux, on va s'enrichir bien comme il faut, ensemble. Mais le Congo ne va pas avancer. Et pourquoi faire avancer le Congo, c'est forcément briguer la magistrature? Non, pas du tout. Faire avancer le Congo, pour moi, c'est d'abord apprendre la géopolitique autour, voir comment ça se passe. Je dois apprendre. J'apprends tout seul, je regarde. J'ai facilité à rencontrer des chefs d'État via mon réseau. Je les rencontre, je discute, je leur parle de mon projet. Et lorsque je serai prêt, là, je vais faire autre chose. Est-ce que Francis fait déjà des dons, par exemple? Oui, par exemple, au Kassai, je faisais une transaction de diamants avec l'ancien gouverneur. On a terminé la transaction. À la fin, je lui ai dit, tiens, cadeau, 20 000 $ pour la construction du stade. Et là, tous les gens m'ont dit, mais pourquoi t'as donné? C'est au Kassai, toi, t'es de Bandundu. Et alors, le stade, il est sorti ou pas? Normalement, oui. Normalement, t'as pas vérifié. Tu sais, mais moi, je pense que c'est des choses qui devraient sortir. Peut-être, oui, voilà, le truc d'artiste. Voilà. Oui, mais après, voilà, c'est... Je ne sais pas. Hein. Mais ouais. Est-ce que Francis Mbemba sera candidat en 2023? C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que mes sources m'ont dit. Moi aussi, j'ai entendu ça. Et finalement, oui ou non, s'il te plaît. Peut-être. Bon, c'est toujours le mystère. Je pense que voilà, on reparlera politique dans le confessionnal. Justement, rendez-vous donc dans quelques minutes seulement pour le grand déballage de Francis Mbemba dans le confessionnal. Mais tout de suite, Marie-Paul Adjé nous dévoile quelque chose que nous ignorons certainement sur lui. Allez, Marie-Paul, jazzé. Les informations risquent d'avoir un impact un petit peu négatif sur ta future carrière de politicien. Je m'en fais mon travail okay. Pour ça. Alors, les filles, quand vous voyez Francis Mbemba, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? À quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites sur la personne, sur ses traits de caractère? Charismatique. Et toi? Moi, je suis trop dans les détails. Si on doit parler... Parle. Vas-y. Mystérieux. Non. Comme elle l'a dit. Très mystérieux. Qui peut être très sournois. Le genre raffiné qui aime le champagne. Pas du tout, il ne veut pas d'alcool. J'allais te dire. Quoique, l'apparence. Ce que tu as dit, ça m'inspire. Okay. Alors moi, c'est suspect. Non, pas 95. Je comprends pas pourquoi c'était mis sur la tour et tout de rose de verre. Non, je sais pas. Comment on dit ça? L'oiseau qui dort et celui qui s'envole. Est-ce que c'est une histoire? C'est quoi? C'est pour dire quoi? Est-ce que tu as Moi, je n'ai pas le mot. Non, je ne sais pas. Non, pas la même façon de vous. Mais mystérieux, c'est quand même. Attendez, je peux donner un autre truc. Pourquoi suspect? Non, pas suspect, concentre-toi, d'autres. Pour la phrase. Autre chose. D'autres choses. Manipulation, calcul. J'excelle. Voilà. Il assume. J'ai toujours su que j'avais une sorte de pouvoir. Non, mais au-delà de cela, je pense que quand il veut quelque chose, il se donne les moyens d'y arriver. Mm-hmm. Voilà. Bon, il y avait un dernier truc, je ne sais pas si c'est bon. Faut dire. Dis-nous tout, Marie-Paul. Justement, elle a parlé de manipulation. C'est pas qu'on m'a dit que c'est un grand manipulateur, c'est un grand charmeur et tout ça. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. On m'a aussi dit que Francis Mbemba n'avait pas de tatouage, pas de piercing. Toi, je parlais de champagne, mais il boit pas d'alcool et il ne fume pas. Donc, contrairement aux apparences. Comme quoi. Faut pas juger. Mais non, je voulais fumer. Je voulais boire. Il a dit, je voulais. Pourquoi? Je voulais me tatouer. C'était pas doux. Mais c'était, non, c'est quoi? C'est la prière. C'est ta maman qui a refusé tout ça. Ouais. Du coup, tu n'as jamais bu du jamais tout. Jamais du tout. Si, pour la première fois, lors de mon mariage. Oui. La première fois, la dernière. Oui. C'est pas pour moi. C'était doux. Non. Et jamais fait. Il dit, j'ai juste vu. Il a dû lire dans la Bible que c'est pas bon. Dans les versets, il doit avoir un verset comme ça. Tu disais, deuxième chose, donc tu disais dans le scanner. Que tu étais chrétien, c'est bien cela, et qu'on t'appelait pasteur. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à 17 ans, tu savais déjà exactement ce que tu voulais dans la vie. Et même, on m'a dit aussi que tu pries, sinon tu jeûnes chaque vendredi. C'est vrai?
Oui, wow. Ça, c'est chaque pas... vendredi depuis ouais. que tu as 17 ans. Ouais. Ah ouais. Tous les vendredis. Permettez-moi. Sérieux? Donc, t'as jeûné aujourd'hui? Oui, j'ai... T'as rompu tout à l'heure? Tout à l'heure, oui. Ok. Oh. Mais pourquoi, ah ouais, donc pourquoi 17 ans? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui s'est passé dans ta vie à cet âge-là pour que tu ouais. décides de jeûner tous les vendredis désormais? Oui, j'étais avec ma mère, on parlait souvent. C'est ma pote. Ouais, je vois ça, hein. T'es très proche de ta maman. Ouais. Et elle m'a dit, moi, j'ai pas d'héritage pour toi, mais par contre, je te donne la Bible. Maintenant, fais ce que tu vas faire avec. Oh. Je me suis laissé dire que tu avais jeûné pendant une semaine avec ta maman. Ouais. Que vous aviez dormi par terre. Ouais. Ça pendant une semaine. Pendant une semaine, mais pourquoi en fait? Pourquoi pas? Elle m'a dit, il faut commencer à jeûner, il fallait prendre l'habitude. Et depuis ce jour-là, j'ai continué. D'accord. Non, mais quand elle dit que tu savais exactement ce que tu voulais faire, à partir de 17 ans, c'était quoi exactement? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs dans des périodes bien précises ouais. Est-ce que tu as réussi à les atteindre d'ailleurs? Ah oui, oui. C'était quoi? À 17 ans, je disais à ma mère exactement ce que je voulais, à l'âge que je voulais. C'est-à-dire? Et c'était quoi? Par exemple, j'avais 17 ans et je disais à ma mère, même si je passe le permis, je ne prendrai pas de petite voiture comme vous là. Je lui ai dit, entre 20 et 25 ans, je dois avoir une Audi TT noire, comme ça, comme ça. Okay. À mes 25 ans, à mon anniversaire, je dois avoir une Porsche cabriolet comme ça. Okay. À 30 ans, je dois avoir une Lamborghini comme ça. Mm-hmm. Et tout ceci et ça s'est passé comme ça. Ouais, bonne question. Est-ce que ça s'est réalisé Je disais ça à mes amis, je disais, j'en ai marre de rester dans le quartier là. Il me faut une Lambo là. Ils m'ont dit pardon. Ils m'ont dit ça, c'est pas pour nous. J'ai dit pardon. J'ai dit à mon ami, moi je vais vivre à Monaco, je ne peux pas vivre ici là avec vous là. À tenir les murs, là. Non, c'est pas pour moi. J'ai fait exactement ce que j'ai dit. Mmh. En quoi faisons-nous ? À un an, deux ans près. Mmh. Ok. Dans le diamant ? Non, au début, j'ai commencé, j'avais une boîte de transport. D'accord. Pendant que mes amis étaient là en train de boire, fumer leur shit. Moi, les amis, ils seront contents d'entendre tout ça sur aujourd'hui. Non, c'est mes frères, on est ensemble. Ok. Non, ce sont mes frères. D'accord, ok. À quel âge tu as fêté ton premier milliard ? Vous parlez en français, CFA. Ah. Moi, c'est grâce à un monsieur, justement, je salue Walter. Dans la vie, quand tu viens d'en bas, les opportunités, c'est à travers des rencontres. Mm-hmm. Pour moi, la réussite, c'est 99% de rencontres et 1% de chance. C'est vrai. Moi, j'ai eu la chance, le 1% de chance, de faire la belle rencontre qui est cette personne jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. C'est le parrain de mon premier fils, je suis le parrain de son dernier fils. C'est une personne, à un moment donné, il avait besoin de pousser un jeune Africain pour pouvoir l'ouvrir les portes de l'Afrique. Et Dieu m'a fait grâce et on est toujours ensemble. Tu donneras tous les détails tout à l'heure. Alors, du coup, c'est la deuxième ou la troisième chose? Là, c'est la troisième chose. Francis, si je te dis ce prénom, Émilie. Hey. Moi, j'aime trop ressortir des trucs bizarre, comme ça. Mon premier amour, c'était Émilie et mon dernier amour, c'est Emilia. C'est bizarre. Oui, c'est vrai. Donc, ouverture, fermeture, ça veut dire que tu ne peux pas aller quelque part encore. Et c'était à 6 ans, si je ne me trompe pas. Oh, mais il allait quelque part, non? C'est ça, non? Hein? Non. C'était... On le saura tout à l'heure. Non, c'était à tes 6 ans, c'est quoi? Vous aviez 6 ans? Non, j'avais 7, 8 ans comme 7, 8 ça. Ans. Elle 7, avait 8 ans? Ouais. Et j'avais volé une bague à ma mère. Mais je ne savais pas que c'était sa bague préférée. Tu as volé une bague à ta mère? J'ai pris la bague, je suis partie donner à la fille. Quand je rentre, on me dit, je cherche ma bague, j'ai quelle bague? Elle me décrit la bague, je dis, oh. Et c'est là que ça a commencé? Donc, de toutes les bagues, là, c'est celle-là que j'ai choisie. Ah. Jusqu'aujourd'hui, désolé, maman, c'est que moi. Non, sérieux? T'es toujours en contact avec Émilie en question? Non. Émilie? Ouais. Non. Elle m'a dit que c'était une blonde aux yeux bleus. Ah, c'est à voir. Il a bon goût. Ah, dis donc. Mais attendez. Blonde aux yeux bleus. 7, 8 ans. C'est tôt, hein. Et puis la bague, hein. Cette bague d'être beaucoup moins. Non, ma mère, elle va voir. Désolé, c'était moi. Mais c'était lui. C'était lui, tata. La quatrième chose. Alors, on me dit que dans ton adolescence, tu as dit tout à l'heure que ton casier judiciaire était vierge. Ça m'étonne parce qu'on me dit que dans ton adolescence, ils ont pris tous tes grands frères. Donc, ils ont tous été recrutés. Donc, des grands frères du quartier ont été recrutés pour être des vigiles à Carrefour. Des vigiles, oui. Et toi, tu allais là-bas voler parce que tes grands frères étaient vigiles. Oh, j'étais le champion. Comment est-ce qu'on t'a pas attrapé? Non, mais si on vole une bague à 7, tous les grands frères du quartier. Est-ce que ça suffit quand demander, c'est là que ça commence? Tous les grands frères du quartier des vols, en fait. Sont vigiles à Carrefour. Oui, et toi? À Évry, Courcouronnes, ouais. À Angoura. Et moi et mon équipe, on allait là. Ben, en ton fait, équipe? Oui. Raconte-moi qui t'a volé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'allume la télé, je vois des Kinder, je dis, maman, attends, bouge pas, j'arrive. Facilement comme ça? Facile.
Je pars mes Kinder, je reviens. Et les grands frères en question, voilà, ils vous laissaient passer? Non, ils étaient fatigués de nous. Et du coup, pour la Audi, vol ou travail? Ah, la voiture donc, la première? Non, travail. J'allais porter des cartons tous les jours à 5h du matin. Ah, mais 7 ans, si ça commence par une bague, c'est que la voiture, c'est possible. Je te dis. Et les chocolats aussi. La dernière chose. Si je te dis plus de 500, ça t'évoque quoi? Ah, moi, je ne connais pas ça. Ah, ça veut dire quoi, tu ne connais pas ça? Plus de 500. Plus de 500. Est-ce que c'est un nombre qui t'évoque quelque chose? 500. Non, sincèrement, je ne sais pas. Non, je n'ai pas parlé de... Non. Ça me dit quelque chose? Francis Mvemba, caméra sur moi, s'il vous plaît. Francis Mvemba a eu plus de 500 copines dans sa vie. Ceci est une vérité. C'est vrai, ça n'en parle? Ah, moi, je ne sais pas. Mais comment ça, est-ce que plus de 500 copines, je me suis même laissé dire. Non, il faut demander à Francis, moi, non, mais... je ne sais pas. Positif ou négatif? Non, il faut demander à Francis. Moi, on m'a dit plus de 700, par contre. C'est 700, on m'a dit 500. Moi, j'ai entendu 700. On m'a dit, il compte en plus, 500. Non, moi, je ne suis pas au courant de... Francis, peut-être, il sait, mais moi, je ne sais pas. Non, mais sérieux. C'est quoi son second prénom, là? Vite. C'est pas si négatif, je sais pas, dans tous les cas. Le prêtre, là, ça a été mal donné. Le pasteur ou le prêtre, je ne sais pas, mais bon. Non, mais c'est pas si négatif, parce que dans tous les cas, si tu as déjà 500 personnes qui vont voter pour toi lorsque tu vas te présenter... Ouais, c'est Django. Mais peut-être qu'elles ne sont pas congolaises. Elles ne sont pas du tout congolaises. Ah, c'est vrai. Elles sont blondes aux yeux bleus. Il y a des réputations. Voilà, t'as tout compris. Question. Ah, il a dit oula. Bon. Merci beaucoup, Marie-Paul. 500. Surtout, restez avec nous pour ne rien manquer de tout ce que nous avons préparé pour vous dans ce Live Weekend avec Francis Mvemba. À suivre dans un instant, le très attendu confessionnal. Il y aura beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission depuis les deux Congos, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Centrafrique, le Togo, le Bénin, l'Afrique francophone de la diaspora, etc. Et aussi le Cameroun. Merci pour l'intérêt. Francis Mvemba est avec nous dans le Live Weekend. Et exceptionnellement ce soir, le confessionnal sera plus long que d'ordinaire, histoire d'aborder absolument toutes les questions que vous vous posez sur lui et aussi lui laisser le loisir de, et je cite, « mettre de l'ordre dans le désordre ». Et tout ça, c'est tout de suite dans le confessionnal. L'adulé pour son œuvre transgressive, Francis le plébiscité, le gourou pour être d'envergure, a défié l'ordre et la bien-pensance, être devenu un mythe incontournable de la culture, de l'homme de fer. Mais aujourd'hui, toi, la figure de cette loi, cette construction socio-culturelle de l'autorité, es-tu susceptible de souffrir la remise en cause et de t'afficher cette traîtresse d'émotion? Macaissé, voici ton confessionnal. Promets-tu de dire la vérité? Rien que la vérité. Je jure. Première question. Francis Mvemba, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi, à ton avis, tu es aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités? Par rapport à mon mariage déjà? Que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage de Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça? J'ai constaté, j'ai regardé tous ces mois de silence, je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis tu afin d'écouter les rumeurs, les on-dit. J'ai réalisé ça. Et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi et Emilia, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on a demandé la permission à personne. On a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Et je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi.
Je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilia, je dis, non, pas elle. Il me dit, pourquoi? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc, il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit, non, c'est elle. Je dis, non, pas elle. Et il a quand même fait en sorte qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît? Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et pianoter ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre? Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de 5 minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère avant le mariage? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scinder en plusieurs parties, donc d'aborder des sujets selon des thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Mbemba avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, hein, Coco Emilia. Alors on va revenir donc à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Mbemba, es-tu vraiment milliardaire? Vous parlez de milliards dans la zone France CFA. Réponds à la question. Attends, je réponds à la question. Dans la zone France CFA, 1 milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord? Tu me suis? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1 700 000 euros d'investissement perdu que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1 700 000 euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone France CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. Être au milieu, ramener des acheteurs, etc. Je ne gagnais pas assez, ça n'allait pas assez vite. Donc il fallait acheter des dragues, etc. Donc je suis propriétaire de dragues sur Chicapa, où j'ai commencé. J'ai mis un de mes frères, justement, côté papa, surveiller. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017.
Donc, donc tu n'es plus dans le diamant aujourd'hui? Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait où j'avais les cheveux. Oui. Tu venais d'où? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on termine les transactions de diamants. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation, je suis dans facilitateur. Ah. On m'appelle, on me dit « ok, t'attaques ». C'est uniquement cela que tu fais dans la vie aujourd'hui pour gagner ton pain? Si je me décris actuellement qui est Francis Wemba, je veux dire que je suis un dealmaker. Un dealmaker? Ouais. Honnête? Honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret. C'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène. Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles? Donc, tu as répondu à la question tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par d'autres postes dans l'administration politique, comme député par exemple, et gravir les échelons avant de vouloir briguer la magistrature suprême? J'ai du mal à obéir aux ordres. Je n'aime pas qu'on me dirige. La politique... Je vais te raconter une anecdote comment je suis rentré en politique. À la base, j'étais tranquille dans mes affaires. Et j'avais un projet avec justement le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, moi, je vous laisse votre politique là. Non, moi, consul honoraire à Monaco, moi, je suis tranquille à Monaco, je fais mes affaires. Je travaille pour mon pays à distance. Il me signe ma nomination. Maintenant, il faut envoyer le dossier à l'ambassade du Congo à Paris. Et là, je vois l'ambassadeur, il prend mon dossier et me dit « Mais pourquoi elle a signé cette nomination? C'est pas comme ça. » Et j'ai vu dans son regard, comme s'il me regardait de haut, j'ai dit « Il est fou, lui. » Et je le redis, il est fou, lui. Il ne sait pas les montagnes que j'ai soulevées pour arriver ici, parce que toi, tu es le fils d'un politicien, ça te donne... Je dis « Non seulement je rentre dans la politique, mais je vais exceller dans cette politique. » Il faut qu'il me regarde bien, là. Je serai son président aujourd'hui ou demain. Je le sais. Affaire à suivre alors? Non, à suivre, on est là. Non. Alors, situation familiale, situation matrimoniale, on parlait de ta femme, Coco Emilia, tu l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement? En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. C'est la seule raison? Non. Qui a fâché ton épouse? Non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation. Et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait « il t'a marié, il t'a abandonné, etc. etc. » Après, on me voyait avec des filles sur Paris. En mode chill, et ça commençait à énerver Emilia petit à petit, et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ses réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions?
des mauvaises actions. C'est que, au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui, parce que lorsque je parle avec elle, la seule chose, les seules choses qu'elle me reproche, c'est « tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ces phrases... Est-ce que tu l'as trompé? Non. Avec la réputation... que les gens t'ont donné, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais... ma voix... ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai? Sur Emilia? J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit « M'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. » Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition Bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupérerai. Ça veut dire que tu l'aimes encore? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, c'est... elle est dans mon ADN, chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi? Non, brièvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite, elle m'a dit merci et je coupe. Et la dernière fois que vous vous êtes vu, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé? J'ai réalisé que... le but de l'amour, d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était... dans sa voiture et je lui dis ouvre, je vais rentrer, elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer, je lui dis mais la première question, je lui dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague,
comme bague de promesses. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non, je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Wemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai fait... j'ai déposé... Ben, en fait, c'est... cette rumeur est, a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en franc CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle, qui préparait déjà le mariage, et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois, ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones, ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, les milliers et eux, je ne sais pas comment, ils ne se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc, j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit, tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA. Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit, pourquoi tu avais... Tu as payé quoi avec les 2 millions de francs CFA? Elle m'a dit, je ne voulais pas te dire, je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc... Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de spéculations. Non, moi, je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 euros sur Paris sur les avances. J'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 000 euros. 60, 80 000? Oui. Ça, c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc., etc. Mmh. Et de ma famille aussi, de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Mmh. Voilà, on est dans les 100 et quelques mille. Francis Wemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon, on peut redire des choses, si jamais... tu devais revenir en arrière, refaire les choses. Qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui. Parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... Ah. La pause, c'est pour l'image. Hein. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, mais je connais cette personne. si c'était à refaire, j'épouserais la même personne. Dans 10 000 vies, ça aurait été elle. Que elle et que elle, pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Ouais. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris
Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Mmh. Avec son sale caractère, ça bouge pointu d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Mm-hmm. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Et ça, c'est... Je ne vais pas... Il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, des... Voilà, c'est... on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arriver au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà mariée traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis mariée avec leur enfant. Parce qu'après, c'est Léon dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à sa famille, son pays, que je ne voulais plus remettre les pieds, même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi ? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun ? Non. Tu y as trouvé ton épouse, non ? Ouais, Dieu, il a ses... Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce que il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma fille, enfant. Mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Cameroun? En fait, je n'aime pas perdre et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. C'est quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis, il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays, vous allez voir que j'ai plus de 400 000 euros de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde... Moi, j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi, j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà, ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne, je ne peux rien faire parce que... Elle a des appuis politiques assez solides pour l'instant. Mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia. Et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle? Le procès, c'est... Emilia a demandé le divorce en Europe, et ils ont renvoyé le divorce, ils n'ont pas donné suite. Je suis congolais, elle est camerounaise, c'est un mariage de droit camerounais qui n'a pas été déclaré en France. Donc la justice française était incompétente de pouvoir gérer ce dossier, et maintenant, libre à elle de continuer ses actions sur son territoire. À l'heure où on parle, toi et moi, il n'y a pas de procédure de divorce en cours. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays, elle va divorcer seule.
Et si elle y arrive, je repartirai la remarier. Tu n'as pas arrêté de regarder cette image de ta femme, en tout cas officiellement, c'est toujours ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi ? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business. Et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui ? Qu'elle regrette ou qu'elle regrette pas, c'est pas mon problème, c'est déjà fait. Le regret, c'est n'a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne sait pas, on s'est pas marié par hasard. C'est avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. Et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me donner... Comme un organe, par exemple. Ouais, elle n'hésitera pas. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est ouais, ça hein. Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Comme quoi ? Comme, par exemple, le droit de voyager, d'avoir un visa... pour la France, notamment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, en fait, ils se sont amusés à lui créer un dossier judiciaire de plaignant qu'on n'a jamais vu. Elle a eu des mandats d'amener, elle s'est présentée, il n'y a jamais eu de plaignant, juste pour pouvoir boycotter. Et moi, je pense que... Très belle photo aussi. Ouais, ouais. On était mignons, là. Ouais. Après, les on-dit, ils disent que c'est à cause de moi, que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut parler, hein. Tu n'as pas donné de faux papiers. Non, je n'avais même pas besoin de donner des papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas Camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre ? Il n'y a rien à prendre. Non, c'est pas ça, c'est... Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir ? Non, moi je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laisser quelque chose qui t'appartient et à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco ? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, elle est repartie chez sa maman juste pour une année, ma collègue Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants ? Ce sont de très jolies femmes. Elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément, je les respecte parce que c'est difficile. J'assiste à leur accouchement, je vois la douleur, les pleurs.
Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Là, elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge, c'est vrai? Oui. Oui, j'ai un enfant. Mais elle est à Paris, avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Très jolie dame même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur hein, de son fils, du mâle dominant? Qu'elle est d'accord avec toi déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... Non, elle me regarde, elle me dit « tu es comme ton père ». Avec déception ou... Non, parce que tous mes enfants sont ensemble, se connaissent, c'est une famille. Dès que j'ai un enfant, j'appelle ma mère, je dis « tiens, il y a un autre pour toi, là ». Comme ça? Il y a un autre pour toi, là. Elle rigole, elle me dit « ramène-moi mes enfants ». Elle prie pour tous mes enfants. Elle m'a demandé de ramener Emilia et Sophie récemment. Elle est très malade, elle m'a dit « fais le nécessaire pour me ramener Emilia et Sophie », parce que Sophie, c'est le prénom de sa mère. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qui m'est laissée. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère avec, qui m'a élevé. Donc, en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui compte plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. C'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement. Évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas comme tu le dis, il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, par exemple? Non, qu'elle ait posé encore, la bague? Ça encore, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne... Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne. Parce qu'on se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, confidents. Lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui, ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté un an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne est restée au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital, avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale, fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, qui les sépare. Moi, je dis, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis et ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare, vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. C'est, je me concentre sur les bonnes choses. Et en acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia, je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements, justement, aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, tout ça, c'est... lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des âneries
comme ça, c'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je ne suis pas maquée avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à ma vie privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres, ils veulent travailler ici, c'est bien, ils ne veulent pas travailler, ce n'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions, à part moi-même. Parce que chaque action que je pose, j'en assume les conséquences. Et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction. Et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leur femme, ça me fait une belle jambe. Mmh. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires? Je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsque Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses, elles sont branchées, leur dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça, non. Par exemple, Chelsea, qui est très proche de moi, a une relation extraordinaire avec Emilia, que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro, en fait. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea, parce que Emilia est la maman de sa sœur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone, elle dit « Je suis en guerre avec ton père, mais toi, je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille. » Donc, on n'en est pas là, parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement. Et voilà, il faut prendre... Il ne peut y avoir deux fous dans une famille, ni dans une maison. Là, quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle, ou sinon, sans perdre... Elle est jeune, Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge. C'est une bonne personne, sinon je ne l'aurais pas épousée. Et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt. Et voilà, c'est ça. Francis Wemba, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Un peu trop, je pense. Merci. Bien, fin de la deuxième partie du Life Weekend. Dans un instant, nous allons rejoindre notre invité dans l'autre décor de l'émission pour des séquences plus fun, mais il n'empêche toujours aussi de niveau. Vous découvrirez donc le défi de Francis Wemba avant le Battle des Queens. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Live TV. Merci aussi pour vos nombreux partages et vos nombreuses réactions. Près de 70 000 commentaires sur une émission. Merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais même pas quoi dire finalement. Francis Wemba est avec nous ce soir et après les confidences, place maintenant au show directement avec la boîte à défis tout de suite. Alors, qui va se charger de remettre à... Oui, Esther, parce qu'on a travaillé quand tu n'étais pas là en fait. Donc, s'il te plaît, c'est la moindre des choses, de passer le bocal des défis à Francis. Moi, je danse pas, je chante pas. Ouais, je m'en ai dit ça. Je dis, pour un Congolais quand même, moi, je danse pas, je chante pas. Allez, quel est ton défi? Masterclass. 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 Ah. Masterclass. Francis Wemba, tu sais que les internautes t'ont donné beaucoup de surnoms. Mm-hmm. Sur Internet, on t'appelle le GOAT. Le maître et maître. Maître et maître. Grand prêtre. Grand prêtre. Il y a quoi d'autre? Je ne sais pas. Tu sais pas comment. La légende. Grand prêtre, il y a monastère. Mister 500K. 500K, qui ne veut pas avouer. Le parrain vénéré et maître. Celui qui a mis l'eau dans Coco. Avec le jeu de mots. Alors, il y a eu quoi d'autre? Le seigneur des anneaux. Ouais. Francis Wemba.
Hein? Quoi? Pam Bemba, l'idole de toute une génération. Le beau des beaux, papa n'a step by step. Le père spirituel, enfin bref. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Merci, et tout ça, non mais moi je ne les remercie pas, hein, parce que ce sont des gens qui sont fiers de toi. Genre, ouais, ça c'est un garçon, je connais quelqu'un d'ailleurs. Ils sont, oui, ils surtout sont les hommes. Ils sont surtout les hommes, évidemment. L'idole des hommes. On va se venger. Hein. Un titre que tu devrais ouvrir. Écrire un livre, voilà, à une école. Donc le président d'honneur du syndicat, bon, enfin, bref. Et donc, il y a beaucoup qui ont dit que cette émission serait une masterclass pour eux, parce qu'ils ont acheté des calepins, ils vont prendre notes. Ah. Donc on va leur offrir la masterclass, hein, la méthode Mvemba. Okay. Donc question-réponse, allez, à vos calepins. Ouais. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire là. Francis Mvemba, déjà pour toi, c'est quoi l'amour? L'amour. Ouais. L'amour, c'est pas la guerre, la bouche, c'est la base. L'amour, c'est un sentiment entre deux personnes qui se définit en trois parties. Trois parties. Ah. Oui. Ok. On a l'amour éros, l'amour agapé, l'amour philia. Oh, il a lu dans la Bible. Maintenant, quand tu arrives avec une personne ou tu arrives à avoir un sentiment amoureux envers cette personne, il faut toujours se poser la question. Au départ, je dis à Emilia, j'ai plein de femmes autour de moi, tu as plein d'hommes autour de toi, mais pose-toi tranquillement. Demain, si tu as un accident, qui va te donner un rein? Qui va faire quelque chose que les autres ne pourront pas faire? Pour moi, l'amour, c'est faire quelque chose d'extraordinaire pour une autre personne que soi-même. Aimer l'autre plus que soi-même. C'est ça pour moi le réel, véritable amour. Maintenant... Prenez note. L'amour ne s'achète pas, l'amour se gagne. Beaucoup d'hommes arrivent et ne prennent pas le temps de gagner le cœur d'une femme, mais ils achètent la femme directement. Mm-hmm. Tu veux quoi? Tiens, gras. Mm-hmm. Tu prends la leur femme, oui. Leur pouvoir de séduction, c'est leur pouvoir d'achat. Voilà, maintenant, tu dois avoir... toujours de l'argent avec toi, ou sinon on va partir, parce qu'elle, elle est là, c'est transactionnel. Or que si tu prends le temps de connaître la personne, connaître ses secrets, connaître sa façon de fonctionner, gagner la personne au fur et à mesure, non seulement tu gagnes une femme, tu gagnes une amie, une confidente. Allez, on arrête là. Tu connais les secrets d'Emilia? Je suis le gardien de ce secret. Je lui ai écrit la semaine dernière, je lui ai dit... Tu fais la guerre avec une personne qui ne s'intéresse pas à te faire la guerre. Parce que lorsque tu étais allé trop loin, tous les secrets que j'ai de toi, je veux mourir avec. N'est-ce pas? On sera côte à côte, je te dirai ça. Alors oh, yeah. C'est beau, hein. Hey. En fait, tu écoutes et puis tu te rends compte que les 500 filles, là... C'est franchement... Il a plus de deux. T'as bien placé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Je ne fais pas ma langue de bois. Sur le coup, coach sur les réseaux sociaux, par exemple, il y en a beaucoup qui pullulent sur les réseaux sociaux, donnant des conseils et autres. Tes gars te regardent. Pour eux, peut-être, tu es le meilleur coach du monde. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, moi, je ne coach personne en amour parce que c'est un sentiment que... Non, personne ne peut se lever et donner un conseil pour que deux personnes restent ou se séparent. Parce que... lorsqu'une personne vient et te pose un problème dans son couple, il te donne un problème dans l'instant T. Mm-hmm. Mais tu ne connais pas le passif tous de les ce paramètres. Couple-là. Ouais, ça veut dire que toi, tu vas donner un conseil par rapport à ton ressenti de l'instant T et ton conseil peut affecter une relation. Tu ne sais pas si pour l'autre personne, cette personne est réellement importante. Mm-hmm. Moi, je peux... Exemple pour moi, Emilia a du mal à croire que je l'aime réellement. C'est que j'aime réellement cette personne. Maintenant, j'ai fauté à un instant T. Maintenant, si elle se lève et elle dit « je suis avec mon mari, mais il a fait ça à l'instant T », la plupart des personnes diront « il faut divorcer, il faut le laisser ». Mais ils ne connaissent pas notre passif, les fondements de cette relation qui nous a amenés à garder cet enfant et aller jusqu'au oui. Et l'amour est un sentiment que pour moi, on revient... à la Bible, même Jésus, quand on lui pose la question, un couple marié est venu, il dit « Maître, ma femme a commis l'adultère, dois-je la lapider ?» Tout le monde avait déjà préparé les pierres.
Jésus qui avait l'Esprit Saint en lui, il leur a dit que la personne qui n'a jamais commis de péché, lui lance la première pierre. Voilà. Donc si lui-même n'est pas rentré dans la vie de couple des gens, qui sommes-nous? Alors, on va te soumettre Madame quelques situations. Je sais pas. Mais celui qui parle même est plus de ton esprit voyage. Mais pourquoi tu te frustres? Tu es enjaillé comme moi, je suis enjaillé d'entendre tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe, Esther? Ça va? Doucement. Toi, tu es enjaillé ou pas? Non, non, je ne sais pas si Emilia... Tu n'es pas enjaillée de ce qu'il dit? Non, mais ce qu'il dit, mais pourquoi ça vous... Non, ce qu'il dit est moi, bien, en fait. Moi, je suis enjaillée de ce qu'il dit. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit, et au-delà de ça, j'espère qu'Emilia regarde. Et puis, pardon, il faut prendre ton mari, ça pour toi. Alors, donc, quelques situations. Et tu nous diras comment tu te sors de ces situations, toi, le goat pour tes gars, là. Ouais. La meuf qui ne veut pas accepter. Et donc... Le soutien... Qu'est-ce qu'un homme devrait faire? Parce que le sujet revient très souvent sur les réseaux sociaux, notamment quand une femme est accomplie entre griffes professionnellement, qu'elle s'en sort financièrement, etc. Généralement, c'est des femmes qui ont bouche d'après eux. Hein. Ils disent qu'elles ne respectent pas et tout. C'est une femme qui est difficile à convaincre de faire entrer dans un foyer, par exemple. Les femmes des jeunes disent qu'on vient conseil... pas. Les jeunes disent qu'on vient pas. Quel conseil tu donnerais à un homme ou un jeune homme qui voudrait se mettre avec une femme qui, en apparence, se suffit à elle-même? Comment il devrait procéder? Masterclass, prenez note. Ma mère m'a toujours dit, quand tu manges, il faut prendre quelque chose que tu peux avaler tranquillement. Ça veut dire beaucoup de choses. Va pas chercher quelque chose. Et puis la musique chose qui va avec. Reste bloqué pour toi. Oh, quand c'est trop, c'est là, magnifique. Faut dire Tata Elia, félicitations. Donc pour toi, quand tu vois que c'est un niveau qui... Qui te dépasse. Mais il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas souffrir. Si tu vois que la personne est trop... Tu laisses. Pour éviter de dire « Oh, elle est comme ça, elle est comme ça. » Sans toi, elle peut voyager. Sans toi, elle peut s'acheter du Chanel. Sans toi, elle construit. Sans toi, elle travaille. Et pourtant, parfois, on n'est pas forcément à la recherche d'un homme accompli financièrement. On a juste besoin d'hommes, de sécurité, justement, en fait, d'hommes matures dans nos vies. Ce n'est pas forcément l'argent. Parce que les hommes, en général, ils aiment avoir un pouvoir sur la femme. Ouais. D'accord. Et le pouvoir des hommes sur la femme, c'est le pouvoir financier. Pour la plupart, en tout cas. Pour pouvoir te bloquer et dire, voilà, quand il est fâché, il bloque, quand il est content, il libère. Ouais. Maintenant, quand il voit une personne qu'elle n'est pas impressionnée par l'argent, c'est compliqué. Il faut rentrer maintenant, il faut faire abstraction de l'argent et rentrer maintenant dans la relation homme-femme. Maintenant, c'est quoi ta façon de me parler? Comment tu... Tu réfléchis. Comment tu réfléchis? Vu que tu ne veux pas m'acheter, maintenant, il faut me gagner. Puisque tu ne veux pas m'acheter, maintenant, il faut me gagner. Il faut gagner. Maître, si moi-même, je n'étais pas à l'émission, j'allais penser que c'était préparé. Non. Tu vois, mais c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Tu as quelques situations? Oui. Par exemple, oui, parce que non, franchement, quand même, de ne pas te préparer pour tout comme ça. Si, par exemple, ta copine prend ta femme, lave ta chemise et puis elle trouve une trace de rouge à lèvres. Et elle te confronte par rapport à ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça, c'est rien, ça. C'est rien, ça, comment? Mais non, j'ai fait la bise à Connie. Est-ce que moi, j'ai déjà connu d'avoir... Non, attends. C'est quand même... Non, la joue, OK, d'accord. Mais là, le col, s'il y a un truc comme ça, là... Et généralement, peut-être dans le cou, même, on va dire. Un suçon. Le parfum. Le parfum, pour être un peu... Un suçon, voilà. Comment tu te défends? Est-ce que je sens va se voir avec ma paume? Oui, enfin. Comment tu te défends? Si ça se voit, là, sur le coup. Bon, si ça se voit. Sincèrement, tu es en couple. Oui. Tu as une autre personne. Dans tout ce que tu peux faire avec la femme, c'est ce son que tu cherches. Évitez ce qui ne vous arrange pas. Non, mais non, il ne peut pas s'en tirer comme ça à tout moment. Dans la voiture. Alors, dans la voiture, tu pars en voyage avec ta femme. Et puis, elle trouve un préservatif utilisé dans la voiture. Qu'est-ce que tu... C'est rien, ça. J'ai laissé ma voiture hier à Alain. Mais la voiture, non, elle a la voiture... Non, avec la voiture, tout ça, c'est Alain. Alain, tout ça, c'est Alain. C'est Alain, c'est Alain. Elle sait, non, mais elle sait... Non, elle... Arrête. Mais faut appeler Alain. Bon, je fais le ménage. Je trouve un sous-vêtement rose qui n'est pas à moi. Et un sous-vêtement féminin. Qu'est-ce que tu fais? Où? Dans la maison. Dans la maison? Je fais le ménage. Je trouve ça quelque part là-bas, dans la maison. Je sais que c'est pas à moi. Emilia, toi, t'as ramené ta copine ici. Non, ça passera pas. Genre, c'est sa copine. Non, disons qu'elle ramène jamais ses copines à la maison. Moi-même, je ramène pas. Maintenant, on fait comment maintenant? Qui a ramené ça? Bon, ok, allez, dernière chose. Dernière chose.
Dernière chose que je sais que tu ne pourras jamais te sortir de là. Donc, je rentre chez moi, pour ne pas dire ta femme rentre chez vous, après une longue journée de travail. Donc, elle va directement dans la chambre et elle te voit avec ta maîtresse dans le lit en train de faire des galipettes. Voilà vous. Voilà. Voilà. Comment tu te sors de cette situation? Ça, c'est les femmes qui sont venues gâter mon foyer. Je bois jamais, elle m'a fait boire, voilà. Non, arrête. Donc, tu mets facile. Ça sur le compte de l'alcool. Ouais, moi, je bois pas. Non, je suis bourré, moi, je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Non, arrête. Que je fasse comment? Genre, la fille l'a saoulée. Et la fille l'a saoulée, donc il s'est fait piéger, en gros. On a plein d'autres situations hein, qu'on aurait pu soumettre à Francis, mais on est pris par le temps. T'es choquée? Francis Mbemba reste avec nous pour la dernière ligne droite du Life Weekend. Il sera question de compétition dans le Battle des Queens. Ce soir, nous vous faisons une parodie de la célèbre émission Qui va taper poteau de Life TV. Et du coup, ce sera Qui veut taper poteau. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite. Bienvenue à tous dans la dernière partie de ce Life Weekend consacré à Monsieur Francis Mbemba. Le moment est à présent arrivé pour les Soup Queens de montrer leur talent, mais surtout de monter sur le ring. Place donc à la compétition. Tout de suite, le battle des Queens. Tu as vu ou pas tout à l'heure? Tu as senti la pression ou pas? Pendant la pub. Là, ils étaient en panique. en train de me mettre la pression à moi. Elle me fatigue la tête. Alors, je le disais, aujourd'hui, nous allons faire une parodie d'une émission qui marche très bien sur nos antennes qui s'appelle Qui va taper poteau? Le principe de l'émission, c'est un mec, deux filles ou le contraire, une fille, deux garçons. Et les deux protagonistes doivent convaincre l'autre qu'il mérite d'être avec elle. Bon, disons un mec, deux filles, elles doivent se battre, pas avec les points, mais avec des arguments pour dire que c'est elle qui doit choisir. Donc, celle qui ne choisit pas, c'est elle qui tape poteau. Maintenant, c'est comme... Maintenant, nous, on vous propose, et j'ai même un jingle, qui veut taper poteau tout de suite. Francis Mbemba. Bon, pour la jante masculine, tu es le goat. Donc, voilà, maître. Mais les femmes se méfient de toi quand même. Parce que, ben, visiblement, elles n'ont pas très confiance hein, pour tout ce qui se dit, à raison ou à tort. Hein. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, là, elles vont te regarder droit dans les yeux. Plutôt que de te convaincre de rester avec elles, elles vont te donner les arguments pour que tu ne sois même pas du tout avec elles, en fait. Elles veulent taper poteau. Donc, face à toi, les filles vont être en compétition. Et celle qui gagne, c'est celle qui réussit à te convaincre de ne pas être avec elle. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, vu qu'elles étaient en train de me dire, il faut que je vous raconte ça, parce que les filles-là me fatiguent. Elles vont me faire prendre des rides. Non, on dit que je ne vais pas mes 40 ans, mais ces petites-là, elles vont me donner mes rides. Donc, ces filles-là... Non, Coco, moi, je passe mon premier. Mais non, pas elle. Tu ne veux pas nous exposer comme ça. Je vais vous exposer parce que ça fatigue ma tête. Donc, Francis Mbemba, tu vas choisir qui commence. Voilà. Regardez. Si je choisis Esther, elle va dire que j'ai écouté les autres. Si je choisis Marie-Paul, c'est parce que madame là-bas, là. Inès. Elle m'a fait comme ça. Donc, tu vas choisir. Inès, faut commencer. Inès. Quel soulagement. Qu'est-ce que je suis heureuse. Je ne vais pas commencer. Mais c'est quoi la raison pour laquelle c'est moi qui ai malheureux idée à toi? Il aime le blanc. Et tu es blanc. Je t'écoute, Inès. Et tu es blanche, elle, pratiquement. Oh là là. Bon, d'accord. C'est ma caméra, là. Alors, qui veut taper poteau? Première candidate, Inès Brezinger. Vas-y, ma copine. Francis, c'est à toi. Hé, hey, Inès, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Même si je ne suis pas préparée, je suis un peu préparée quand même. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Okay. C'est quoi ça?
Ah, le chewing-gum. Ça a commencé déjà. Mmh. De voilà. Bah, mais j'en suis pas. C'est quoi? C'est quoi, là? Francis Vemba. Moi, que tu vois là. Mmh. Et c'est pas choco comme les filles, là. On peut pas aller ensemble. C'est en veste. Si tu m'envoies quelque part, là, je peux pas être trop stylée, tu vois. Le matin, j'ai les chignes pelées. C'est-à-dire, si j'enlève ma perruque, ça va pas. Toi et moi, on ne peut pas fonctionner ensemble. C'est-à-dire que si tu pars rencontrer des ministres, des trucs comme ça, je ne sais pas. C'est que je peux faire ça pendant 5 minutes, mais ça ne peut pas. Mm-hmm. Marie-Paul, elle est battante. Non. Elle a un institut déjà. Alors, pas du tout. Elle a un institut. Moi, c'est maintenant, mais j'ai eu une toute petite voiture. Quand tu vois la voiture d'Esther, tu sais qu'elle est déjà à un niveau. C'est ces filles-là qu'il te faut. Moi, je ne peux pas. Si j'enlève mes talons 1m60, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas 1m60. Marie-Paul a dit aujourd'hui, je reconnais les plus grandes détails. On fait ça. Ça ne vaut pas. Merci. Donc, franchement, je ne peux pas faire ça. Je peux pas, tu ne peux pas m'envoyer au Congo. On ne peut pas se promener ensemble et ça ne va pas. La corde qui est là, là. C'est mon ex-belle-mère. Je sais comment ta maman compte pour toi. C'est mon ex-belle-mère que j'ai essayé d'étrangler. Sauf mon ex qui m'a trompé. C'était que 100 femmes. Toi, tu en as eu 500 dans ta vie. Ça ne peut pas. Donc, si tu t'es amusé à sortir avec moi, toi-même, il faut voir ce que tu vas signer. Hey, vas-y, go! Il n'y croit pas. Il va te voir de persuasion. On va dire de dissuasion. MPA. Merci. CP. Envoyez mon pagne parce que comme je suis très plaquée, il faut pas qu'il pense si que je vais pas préparer des actes. Non, mais je vais pas venir comme ça devant et puis il va me choisir. Envoie mon pagne. Marie-Paul, tu as même ton téléphone. Hein? Donc, dans le fond, elle a les atouts qu'il faut. J'aime elle pas. Veut les cacher. Je ne veux pas que tu la choisisses. Moi, je n'entre même pas dans votre conversation. Voilà, là, moi, je mais il a tout vu. Francis, Nalingaka Yote. Non, Nalingaka Toyote. C'est-à-dire que je ne t'aime pas. Tu n'es pas mon genre de gars. La vérité, hein, c'est pas parce que tu es devant moi. Tu es grand, j'aime les gars courts. Non, c'est pas pour truc même. J'aime les gars courts. Parce que je t'ai vu rentrer avec... Tu fais 1m combien? 92. En plus, j'ai entendu comme ça tout à l'heure, tu disais que tu as eu quoi? Plus de 500 filles. Moi, j'aime pas non, ce genre d'homme. Non, c'est pas moi. En vérité, Francis, moi que tu vois là, on me drague. On me drague. Et si tu te poses la question de savoir si je résiste, je ne résiste pas. Parce que le passé m'a préparé. Moi, j'ai eu 500. Moi, j'ai eu 10 000. Des hommes, j'en ai. Et si jamais tu veux être avec moi, ce que tu ne dois pas faire, moi, je vais te demander de me donner la moitié de tes biens parce que tu es milliardaire. Non, tu es un milliardaire. On est d'accord. Non, normalement, la moitié de tes milliards comme ça, tu vas me donner. Ce n'est pas un bon projet. Et puis moi-même que tu vois comme ça, j'ai une forte odeur. C'est pour ça que je vais m'approcher. Je ne sens pas très bon. Alors toi, tu ne ressembles pas aux gars qui sortent avec les filles comme moi. Pardon, faut pas me choisir, s'il te plaît. Marie-Paul, hey, je vais perdre, je ne vaux rien. C'est bien. Oh, les arguments, C'est pour te pousser à quoi? Ne pas me choisir. Par moment, là, c'est le karma qui s'abat sur toi. Je vais te raconter l'histoire de Makanu. Hey, Makanu is back! Makanu est de retour! Bonsoir, Francis. Ouais. Alors, je te plais. Moi, c'est Makanu. Vous m'écoutez. Je vis entre Paris et États-Unis. Et moi, je suis dans l'entrepreneur. C'est-à-dire que si je vois en ville qu'il y a un truc qui marche bien, moi, je peux demander à quelqu'un et puis il va m'aider. D'accord? Et puis, je vais faire quoi? Si ça marchait, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, faut me parler de toi. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi que tu aimes? Tout ça là, faut me dire quoi. Ah, c'est mon téléphone là qui sonne et puis je vais répondre. Et puis, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, hein. Allô? Oui, allô? Allô? Makanu, tu m'as bloqué mon autre numéro là, non?
Tu m'as bloqué mon autre numéro là. Voici ça, l'enfant est en train de pleurer. Tu as laissé ton enfant ici dans ma main, non? Elle est en train de pleurer depuis le matin ici pour me donner. Elle est en train de pleurer depuis le matin ici pour me donner. Toi, tu dis que tu t'en vas à Abidjan pour chercher garçon, non? Tu as laissé ton enfant ici dans ma main. Maintenant, l'enfant là n'a rien mangé depuis là. Toi, tu es ce comportement comme celle-là, là, tu trouves ça normal? Effectivement. Tu dis que tu as réveillé ma tête, que tu as revenu le soir. Depuis hier, on ne te voit pas. Mais c'est normal. Situation compliquée. Toi-même, tu t'es réveillé à quelle heure? Tu t'es réveillé à quelle heure? Tous les jours, c'est toi qui dors pour te laisser ton enfant dans main des gens. C'est à 13 heures que tu as quitté ici là. Comment tu allais être là à matin? C'est pas trop exact, hein, ça. Est-ce que tu es normal même? Tu vas venir quitter campement, laisser ton enfant qui a 9 mois et les gens pour partir chercher garçon à Abidjan. Mais dans la vie, et ça puis, peut arriver. Ton nouveau gars là, ton nouveau gars qui travaille dans le champ du monsieur qui est à côté de marché de nouveau campement là. Il est venu, hein. Il a laissé l'argent là. Médicaments des avortements là. Faut mais c'est qui? Faut faire, tu vas rentrer, tu vas prendre. Parce que si tu as pris grossesse encore là, c'est pas dans nos mains, tu as venu déposer l'enfant là. Mais et puis il était prévu, hein. Si tu n'es pas arrivé ici la nuit là, je vais aller déposer à 4h du matin ton enfant là, en bas des palabres là. Chef du village va savoir ce que toi tu fais ici. Je comprends pas, je ne sais pas qui c'est, hein. Franchement, vous vous trompez de numéro. C'est moi, hein. C'est moi qui te parle. Faut pas venir chercher ton enfant, c'est moi. Désolée, hein, je vais vous laisser. Voilà. Les gens se trompent de numéro. Et je disais donc que tu me plais. Pardon, c'est mon ventre là. Je pense que j'ai mangé un peu trop d'escargots de mer. Je disais, tu me plais beaucoup. J'ai envie de te connaître. Je veux que toi et moi, on va aller loin. Et moi, je parle anglais, je parle français. J'ai travaillé avec le président. Le président de Congo. Il va te choisir. Et mais puis, voilà. Mais c'était Makanou. Makanou, c'était de retour. Je tiens à préciser que c'était moi également la voix au téléphone. Ah merci. Alors, Francis Wemba, on a bien compris le principe. Hein. C'est qui t'a le plus convaincu dans sa tentative de dissuasion, en fait. C'est qui t'a le plus persuadé dans sa tentative de dissuasion. Il faut que tu choisisses. C'est qui la soupe queen de ce soir? C'est la championne. Hey, Inès! Brazil Girl! Elle a tué ses concepts. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il s'est dit que si je choisis Esther, on m'a dit c'est ça. Si je choisis Marie-Paul... On est gris. Elle c'est ça. Non, c'est non, ça. J'ai compris ça. Merci. Tu tapes là. Francis, merci encore pour les fleurs. Franchement, merci. Hein. Merci pour ce joli moment de télé que tu nous as offert. Merci d'avoir respecté ta parole. Ouais. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que l'on ne se sépare, parce que l'émission est en train de finir. Quelque chose à dire aux Africains qui te regardent, à ton épouse, encore une fois, peut-être, à tes enfants aussi, pourquoi pas. C'est comme tu veux. À mes enfants. Quand il y a ton épouse, Émilie est en train de m'insulter, elle dit que quoi même elle, non, elle dit que quoi. On soutient la famille, on soutient. Hein Non, j'ai rien de spécial à dire. C'était un bon moment. Tôt ou tard, il fallait avoir ma version. Si j'ai tardé à donner ma version, je sais que ça a fait beaucoup de mal à ma mère, mes frères et sœurs. De sang, pas les autres qui sortent et qui disent. Aucune de mes sœurs s'est prononcée, ni ma mère. Ils ont respecté mon choix parce qu'ils savent que c'est important le mariage pour nous. Personne ne divorce dans ma famille. Mes enfants, je suis fier de vous. Vous avez passé le cap avec brio. Et restez concentrés sur votre relation avec Emilia. Ne rentrez pas dans ma relation avec Emilia. Soyez soudés entre vous. Continuez toujours à être proche de Ryan, Sophie. Ce sont vos frères et sœurs. Vous êtes ensemble. Regardez ce qui vous unit, c'est l'amour fraternel que j'ai mis en vous. Ne regardez pas les actions ni de papa ni de maman. Chacun à son tour, vous allez grandir. Le but d'avoir fait autant d'enfants, c'est que
Dans mon enfance, j'ai eu des sœurs, mais j'étais souvent seul et j'ai voulu que mes enfants puissent grandir ensemble, en meute, des amis. Vous êtes frères et sœurs, vous êtes amis, vous êtes partenaires, évoluez ensemble, sans distinction de mère. Et je vous souhaite le meilleur. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est mes enfants plus que tout. Merci beaucoup. Et un dernier message à Coco et Mia. Je sais que vous vous parlez, mais... Il a fait un clin d'œil. Ah. Non, c'est le message que j'ai pour Coco, c'est... depuis 2016, je ne fête plus Noël parce que j'ai perdu mon père le jour du réveillon. Et chaque Noël, j'aime rester seul. Le Noël dernier où j'étais marié, j'aurais dû passer ça avec elle, c'est une erreur. Et comme je lui ai dit, je lui livre des fleurs tous les jours jusqu'à Noël pour briser cette habitude cette année. Je pense aller à Yaoundé, fêter Noël avec ma fille Sophie et Emilia, et je vais voir avec mes autres enfants pour qu'on puisse fêter au moins Noël, peu importe notre situation maritale, sentimentale. C'est important de briser cette solitude annuelle lors des fêtes. Et je pense que c'est une personne qui porte le nom de mon père et ça sera bien aussi pour moi mentalement de briser cette habitude avec elle, comme je l'ai promis il y a quelques semaines. Mmh. Ben voilà, c'est dit et on aime entendre tout ça. Donc, merci d'être venu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le dire comme ça à l'antenne, mais merci aussi à Fabrice Aouignon qui a organisé tout ça, qui a réussi l'organisation de tout ça, et à toi qui a respecté ta parole, et à nous qui avons fait cette émission, et aux filles, à vous, qui avez été... Franchement, à toi. Merci à toi. Il ne faut pas oublier Alain. Alain Toussaint, le grand danseur. On me tâte à l'oreillette, il l'a déjà dit dans le confessionnal, Francis Vemba, qu'il aimait toujours sa femme. Tu l'as dit ou pas? Mais en fait, comme je l'ai dit, un sentiment naturel ne se dit pas, ça se voit. Ça, tu as entendu? Donc, laisse-moi tranquille. Allez, merci beaucoup. C'était le Live Weekend de Monsieur Francis Vemba avec mes Soup Queens. Estéria, Marie-Paul Adjé, Inès Brezinger. En espérant que vous avez bien pris note et que vous avez aimé le show. Rendez-vous dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour d'autres moments de télévision, rendez-vous show. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Ciao. C'est pas pour toi. Le bain. Le bain. Souvent le bain est trop stylé. Mais ce n'est pas pour toi.